Avant l'arrêt de la diffusion de Demain nous appartient, Damien va faire sa demande en mariage à Audrey. Et la réaction de la femme de sa vie, dévoilée dans un extrait mis en ligne par TF1, est pour le moins inattendue. Un imprévu de taille va-t-il venir compliquer l'histoire d'amour d'Audrey, Charlotte Gaccio, et Damien, Adrien Robe, dans Demain nous appartient ? Alors que la diffusion du feuilleton quotidien porté par Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur s'arrêtera pour plusieurs semaines à compter de lundi en raison de la Coupe du Monde de Football 2022, les scénaristes ont mis les petits plats dans les grands et nous réservent un dernier épisode très fort ce vendredi 18 novembre sur TF1. Cet épisode, notamment centré sur une soirée caritative qui va virer au drame, verra évidemment l'arche narrative consacrée à Karim, Sami Garbi, se poursuivre. Mais il sera également question d'amour et d'avenir pour les héros de Demain nous appartient puisque Damien va se décider à demander Audrey en mariage, après près d'un an de relation. Et malheureusement pour le jeune flic de la PTS, cette demande en mariage, teasée en début de semaine par TF1, ne va pas vraiment se dérouler comme prévu. Audrey refuse la demande en mariage de Damien dans un extrait de l'épisode 1320 dévoilé en avant-première par la chaîne, Audrey et Damien se promènent au marché de Noël de 7. La mère de Jordan, Jack, Lizzie et Léo, qui semblent envahis par l'esprit de Noël, se réjouit de passer les fêtes en famille avec l'homme qu'elle aime, « Je suis très heureuse de passer Noël avec toi cette année. Et les enfants aussi. Je te jure, on a tellement de chance de t'avoir. » Profitant de ce moment tous les deux, Damien se lance et fait sa déclaration à Audrey, « Audrey, je t'aime. Plus que tout. Alors, je sais que c'est un peu old school de vouloir officialiser les choses comme ça, mais voilà. T'es la femme de ma vie, je le sais. » Sous le regard des passants, Damien met ensuite un genou au sol et sort la bague de fiançailles qu'il a achetée pour la femme de sa vie. Avant de poursuivre sa demande, face à une Audrey qui semble extrêmement surprise et perturbée. Est-ce que tu voudrais bien m'épouser? Finit-il par demander, alors qu'on imagine que son cœur bat à 100 à l'heure. Entouré de tous ces gens qui les regardent, et confronté à une proposition qu'elle n'avait visiblement pas vue venir, Audrey commence à être envahie par le stress. Elle reste figée quelques instants, puis se résout finalement à annoncer l'impensable à Damien. Je peux pas. Avant de s'enfuir en courant du marché de Noël. Laissant Damien seul avec sa bague, lui aussi complètement sonné par la tournure inattendue qu'a pris sa demande en mariage. Pourquoi Audrey a-t-elle refusé la demande de son compagnon? A-t-elle peur d'être abandonnée une fois de plus, comme ce fut le cas avec les pères de ses enfants? Finira-t-elle par changer d'avis? Ou doit-on s'attendre à une rupture une fois la reprise de la diffusion du feuilleton fin décembre? Réponse dans la suite de Demain nous appartient sur TF1 et sur Salto.